Nous n'accepterons pas d'être apprivoisés. Nous n'accepterons pas d'être domestiqués et nous refusons de nous aplatir. L'injustice qu'il y a dans cette Assemblée nationale, nous ne l'accepterons pas. Et que personne vienne s'ériger en donnant de leçons de morale pour nous dire comment nous devons nous comporter. Nous exprimons toute notre compassion à notre collègue qui a été violenté. Je le répète une fois de plus. Regardez la vidéo objectivement et commentez-la. Le procureur de la République n'a absolument pas à se mêler de cette histoire. Il n'a qu'à aller s'occuper de l'histoire de François Mankabou, de l'histoire de Fulbert Sambou, de l'histoire de tous les assassinats qui ont été commis dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je le répète, une arme, une chaise est une arme. Une gifle n'est pas une arme. Que le procureur de la République fasse preuve de tenue et de retenue. Mais à ce titre aussi, nous n'y massons qu'un peu de parce que nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas de l'aide d'homme. Nous n'y sommes pas de l'aide. Nous n'y sommes pas gisken li mbokki li yeppay diir ci netri lay mujjé nañu gorgolu ba netri bi rafet ma ngi jëglu tamit askanu Sénégal bu baakha baax monsieur le président je vous remercie.